Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le plateau des chiffres et des lettres. L'hiver a commencé, on a commencé l'année avec deux candidats dont un gagnant qui s'appelle Jean Neymar. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous depuis hier? Ça va très bien. Jean, vous venez d'Arcachon? Exactement, à côté de la mer. Ça donne envie d'y habiter. Il fait combien de degrés? Oh, il doit faire en moyenne 13 degrés. Ah oui, il fait plus chaud qu'ici. Bah oui, on est dans le sud. Vous y faites quoi, Arcachon? Je tiens un camping. Ah bon, vous tenez un camping? Bah oui, ça vous pose un problème. Ah non, du tout, mais ça marche bien votre camping? Bah oui, surtout l'été. Ok, vous, Nordine Farouche, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai un peu le trac, mais je suis content d'être sur le plateau avec vous. Bah, nous aussi, on est ravis de vous accueillir sur le plateau. Vous venez d'où et que faites-vous dans la vie? Je viens de Cormontreuil à côté de Reims dans la Marne et je tiens une boutique de papeterie. D'accord, je vous souhaite bonne chance. Un petit coup de lettre, Jean, c'est à vous de choisir. Voyelle. E. Consonne. H. Consonne. T. Consonne. R. Voyelle. I. Voyelle. U. Voyelle. E. Consonne. R. Consonne. B. Consonne. R. Nordine, combien de lettres? 8 lettres. Et vous, Jean? 8 lettres pareil. Avec quoi? Ébruité. Ébruité. Et Nordine a trouvé pareil, sinon on aurait pu trouver retribué. Nordine et Jean, vous êtes à 8 points tous les deux. Un petit coup de chiffre. 10, 5, 4, 25, 8, 1. 927. Nordine, 926. Et Jean, le compte est beau. 10 moins 1, 9. 25 fois 4, 100. 8 moins 5, 3. 3 plus 100, 103. Et 103 fois 9, 927. Bravo Jean, il fallait trouver. 10 points pour Jean et 7 points pour Nordine. Vous êtes respectivement 18 à 15. Un petit coup de lettre, Jean, c'est à vous de choisir. Consonne. S. Voyelle. A. Consonne. L. Voyelle. E. Voyelle. E. Consonne. P. Voyelle. E. Consonne. S. Consonne. S. Consonne. Nordine, combien de lettres? 6 lettres. Jean? Pareil, 6 lettres. Salé au féminin et au pluriel.
Oui, Salé Nordine l'avait trouvé aussi, sinon il y avait aussi pétasse ou altesse pluriel. Oh, pétasse, c'est un peu dur comme mot. Oui, mais ça figure dans le dictionnaire. Ce mot désigne une prostituée ou une femme prétentieuse. Il y a aussi un verbe, pétasser. Oui, bah on ne va pas faire le tour de ce mot non plus. Nordine et Jean, vous gagnez tous les deux 6 points en plus, ce qui fait que Nordine est à 21 points et Jean à 24 points, toujours en tête de cette manche. Un petit coup de chiffre. 4, 7, 50, 9, 7, 100. 752. Nordine, le compte est bon. Jean, le compte est bon. 7 fois 100, 700. 700 plus 50, 750. 9 fois 9 moins 7, 2. Et 750 plus 2, 752. Oui, Nordine a trouvé pareil, sinon on pouvait aussi faire 7 fois 100, 700. 50 plus 9, 59. 59 moins 7, 52. Et 700 plus 52, 752. L'un des deux était facile. Bravo à vous, Nordine et Jean, 10 points, Nordine 31 points et Jean 34 points, toujours en tête pour l'instant. On passe au duel. Bertrand a voulu une proposition. Alors nous avons eu un mail de Marie Didia de Nib qui nous propose le duel traditionnel. Il s'agit de trouver une personne révoltée. Et bah trouver une personne révoltée. I E J A N L E E T U G. Nordine, gilet jaune. Mais oui, bien sûr, un gilet jaune. C'est ce qui fait l'actualité en ce moment. La personne qui a trouvé ce duel a dû bien se marrer. Félicitations Nordine, vous gagnez 10 points. Nordine est maintenant en tête de cette manche. Comment ça, il m'a dépassé? Bah oui, il a eu 10 points supplémentaires. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Bah quoi? Non, vous étiez ric-rac sur le score. En plus, trouver gilet jaune, quelle honte, j'aurais pu le trouver. Ne désespérez pas. Oh, à vous, je vous ai rien demandé. Pourquoi? Parce que vous êtes gilet jaune? Oui, ne m'en parlez pas, s'il vous plaît. Bon, un petit coup de lettre, Nordine, c'est à vous de choisir. Voyelle. E. Consonne. L. Voyelle. I. Consonne. R. Voyelle. U. Consonne. S. Consonne. L. Voyelle. E, consonne. S, voyelle. E. Nordine, combien de lettres? 5 lettres. Et vous, Jean? 6 lettres. Rusé au féminin et au pluriel. Très bien, on pouvait aussi trouver relieuse, céleri et céréelle, tous trois au pluriel. 6 points pour Jean, vous êtes à 40 points, vous pouvez très bien à tout moment dépasser Nordine. Un petit coup de chiffre. 2, 10, 3, 50, 5... 5 215.
Nordine, 221. Jean, le côté bon. Qu'est-ce que vous avez fait? 50 plus 100, 100. 5 moins 3, 2. 2 fois 100, 200. 10 plus 5, 15. Et 200 plus 15, 215. C'est parfaitement juste, sinon on pouvait faire aussi 5 fois 50, 250, 3 fois 10, 30, 30 plus 5, 35, et 250 moins 35, 215. Tous les moyens sont bons pour arriver à un résultat. Je ne vous le fais pas dire. 10 points pour Jean. Jean, vous êtes maintenant en tête de cette manche avec 50 points. Et je gagne. Vous voyez pourquoi il ne faut pas désespérer. Un petit coup de lettre, Jean, c'est à vous de choisir. Voyelle. A. Consonne. V. Consonne. N. Voyelle. Y. Voyelle. U. Consonne. T. Consonne. L. Consonne. C. Voyelle. E. Consonne. M. Nordine, 7 lettres. Et Jean, 3 lettres. Bon alors Nordine, qu'avez-vous trouvé? Écumant. Oui, c'est exact, écumant. On pouvait aussi trouver melan. 7 points pour Nordine, ce qui vous fait 48 points. Un petit bout de chiffre. 50, 10, 6, 8, 5... 1. 227. Nordine, le compte est bon. Et Jean, 221. Bon alors Nordine. 5 fois 50, 250. 10 plus 8, 18. 6 moins 1, 5. 18 plus 5, 23. Et 250 moins 23, 227. Splendide! Merci Nordine, 10 points, vous dépassez Jean avec 58 points. Jean, pour avoir donné le nombre plus proche du résultat, vous avez 7 points en plus, ce qui fait en tout 57 points, vous êtes au coude à coude. Vous allez faire un duel. Bertrand a voulu une proposition. Alors nous avons eu une proposition de Jacques Staré de Neuilly-et-Dijon en Côte d'Or. Il nous propose de l'orthographe, il s'agit de trouver comment s'écrit ottomane. Jean, A-U-T-O-M-A-N. Ah non, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Un ottomane. Bah c'est quoi ce délire? Déjà, c'est une ottomane. O-T-O-M-A-N-E. Une sorte de grand siège avec ou sans dossier. Un ottomane, on aura tout entendu. Vous pensez à quoi? À un homme voiture? Mais comment je pouvais prévoir que c'était une ottomane? C'est bon, ne vous fâchez pas. Mais quoi? C'était dur à trouver. Je ne connaissais pas du tout ce mot-là. Du coup, Nordine va gagner des points en plus. Bah comme ça, vous aurez connu un nouveau mot pour la prochaine fois.
Oui, mais si on est intelligent, on peut se dire... N'essayez pas de négocier, ça ne marche pas avec moi. Nordin gagne donc 10 points en plus, ce qui lui fait 68 points. On se retrouve après une petite pause, à tout de suite.